Alors nous sommes Sonia, Luna, Lubna, Yassine, Sarah, Maya, Ketsia, Maram, Amina, Manar, Lilia, Akbarou, Mohamed, Nawad, Amar, Cédric, Rachida, Bichara, Nassima, Farida, Dalila, Dalila, Marlène, Zelika, Shafia, Stéphanie, Fatna, Joséphine, Inès, Romane, Mathilde, Solène, Thomas, Goz. Et nous sommes aussi Organon, Art, Compagnie. Le monde voit Argos comme un pays d'espoir et d'opportunités. Et cela n'a vraiment pas toujours été le cas. À présent, se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation, face à un tel défi? Tout d'abord, le droit d'asile s'applique aux personnes persécutées, politiquement dans leur pays. Nous pouvons être fiers de l'humanité de cette loi fondamentale. Nous accordons également une protection à tous ceux et celles qui fuient les guerres pour venir chez nous. Nous respectons la dignité humaine de chacun et nous nous opposons avec toute la fermeté de notre État et de droit à ceux qui s'en prennent à d'autres personnes, à ceux qui agressent d'autres personnes, à ceux qui veulent mettre le feu à leur abri ou recourir à la violence. Nous nous opposons à ceux qui appellent à manifester avec leurs chants de haine. Il n'y a aucune tolérance pour ceux qui remettent en question la dignité d'autres personnes. Toi, qui a le pouvoir sur ce pays, empêche-les de m'arracher à ce sanctuaire. Tant de dieux sont ici rassemblés. Tu imagines la violence des hommes? Crains la colère des dieux. Tu oserais leur offrir ce spectacle? Une réfugiée traînée de force loin de l'hôtel, tirée par les bandeaux de ses cheveux, comme un cheval qu'on capture au lasso, des mains se saisirent de mes voiles, en déferraient la ceinture. Décide ce que tu voudras, mais tu devras rendre des comptes. Toi, tes enfants, ta maison. Si tu veux tant réfléchir, pense à ça. Zeus défend la justice. Une ceinture entoure ma robe. Les femmes aiment ces ornements. On va se pendre. Tu as compris? Des malheurs partout. Si je refuse de vous aider, la honte dont tu parles montera jusqu'au ciel. Mais si pour vous protéger, notre armée prendra part sous les murs de la ville, si je déclare la guerre aux fils d'Égyptos, comment éviter un désastre plein d'amertume? Le sang de mes hommes ruissellera sur le sol. Tout ça pour des femmes. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux risquer la colère de Zeus, protecteur de demandeurs d'asile. Rien ne fait peur comme la colère d'un dieu. Mais alors, où doit-on aller pour être en sécurité? Je ne te livrerai pas aux oiseaux de proie. Je te le promets. Fais-moi confiance. Ne m'en veux pas. La peur trouble mon cœur. Je convoquerai l'assemblée du peuple d'obtenir sa bienveillance. Que la persuasion m'accompagne et la chance qui fait le reste. Mais auparavant, bonsoir Akbarou. Bonsoir à vous. Tu faisais le roi Pélagos tout à l'heure, tu vas le refaire un petit peu à la fin. Akbarou, tu fais partie toi aussi du groupe qui réécrit la pièce, qui la joue aussi. Akbarou, tu es venu pour nous raconter une histoire de migration? Oui, c'est l'histoire d'une migration. En disant ça, je pourrais parler d'oiseaux, de pollen, d'abeilles, de cachalots, et ça ferait consensus. La France est un pays où pour que les choses changent, il faut passer par le droit. Pas le droit de l'homme. Non, le droit fondamental, à savoir la loi. Ok, d'abord, du coup, en préambule, il faut savoir que la protection d'un étranger menacé dans son pays
C'est pas inscrit dans la Constitution française ? Oui, bien sûr. Après, il serait bon de réfléchir à c'est quoi être menacé. Une crise écologique, la misère, le manque de perspective. Ce n'est pas une menace ? Prenez courage, mes enfants. Le peuple a voté un décret qui nous sauve. Mon vieux père, tu es le meilleur de messagers. Mais dis-moi, comment, quelle décision, combien de mains se sont levées pour nous ? Puisqu'ici, le peuple règne. Argos ne s'est pas divisé en deux camps. De joie, j'ai cru retrouver ma jeunesse. Le peuple a voté comme un seul homme. Quand leurs mains se sont levées, l'air a frémi. Et le décret a été ratifié, qui proclame ? Nous avons le droit de vivre dans ce pays librement. Personne ne peut venir nous capturer. Nous bénéficions d'un droit d'asile inviolable. Personne ne peut se saisir de nous, ni habitants de ce pays, ni étrangers. Si l'on use de violence contre nous, quiconque ne viendra pas à notre secours sera privé de ses droits de citoyen. Le peuple chassera de la cité. Du haut de ces rochers où vous étiez réfugiés tout à l'heure, je peux mieux observer l'horizon. Je vois le vaisseau, facile à reconnaître. Je distingue tout, les voiles gonflées, les hamacs entassés sur les bastingages, la proue du navire. Son œil grand ouvert pour surveiller la route, l'avant obéit aux ordres de l'arrière, le gouvernail dirige le vaisseau droit contre nous. Et il n'obéit que trop bien, il ne vient pas en ami. La peur me paralyse, l'angoisse me range. À quoi bon va servir ma fuite ? Mon errance, si loin de ma maison, je passe de l'autre côté, la peur me fait défaillir. Oui, mais les fils d'Égypte sont furieux, leurs désirs sont voraces, ils ne pensent qu'à détruire, ils mentent sans arrêt. Ils s'apprêtent à tout, ne respectent rien de ce qui est sacré. Le sanctuaire leur est bien égal, ils s'abattront dessus comme des corbeaux. Je ne veux pas être l'esclave de bêtes sauvages. Toute leur manière de penser est sacrilège, leur vanité impie. J'ai vu le mémorial avec les noms des Juifs. Ce nom ne font pas revenir les morts. J'ai vu le mémorial avec les noms des bataillons singalais. Tunisiens, Marocains, Indochinois, Malgaches. Ces noms ne retiendront pas nos enfants sur ce sol de France. On a dédommagé les victimes des spoliations. Quelle serait la somme juste permettant de faire revenir les enfants perdus en Méditerranée ? Tante Adèle est le nom de ceux qui n'ont pas le droit à une enfance ici. Et puisque les noms sur les monuments ont plus de poids que les noms des vivants, alors empressons-nous d'écrire sur les mémoriaux les noms de nos enfants à naître qui seront expulsés. Au moins, ça fera gagner du temps. Hein. Je suis la maman de Fumba. Il est né ici. Ça fait à peu près 11 ans. Pendant tout ce temps, on n'arrive pas à avoir le papier. Chaque fois qu'on se présente à la préfecture, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on nous dise les dossiers sont incomplets, soit on nous dise la machine qui doit imprimer le titre de séjour est en panne. Et au final, on s'est retrouvé à la centre de rétention. Soit disant que le passeport qu'on possédait n'était pas un bon passeport. Le OQTF. Du coup, mon mari l'a eu. Et on est parti le tribunal le 23. A été rejeté, soi-disant qu'on ne peut pas nous donner, on n'a pas d'attache. Donc, je peux rentrer avec mon fils au pays, c'est rien ne l'empêche. J'étais une déesse. Avec ce mélange d'assurance et d'arrogance. Mais, vous savez, le temps s'était arrêté un moment dans ma tête.
il n'y avait plus que l'écho de mes talons qui martelait le sol marbré de ce grand aéroport. Ce n'était pas le plus impressionnant que j'ai vu, mais il y avait une aura particulière. Moi, je faisais semblant de ne pas remarquer cette fonctionnaire qui regardait mes chaussures d'une grande marque, avec une certaine envie, une certaine rancœur. Et moi, j'étais dans mon esprit, en train de présenter mes excuses à ce vieil homme, de lui dire « Voilà ta revanche, leur fierté maintenant est à mes pieds !» Et avec toute l'arrogance et le narcissisme qui caractérisait les déesses, moi, j'avançais sans accorder un seul regard. J'étais loin de me douter que cet aéroport serait mon dernier rempart, qu'en sortant mes rêves seraient brisés, qu'on va m'enlever mes chaussures, mes vêtements, qu'on va m'obliger à mettre cet uniforme hideux commun pour tout étranger venu d'un autre monde. Alors, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre intelligence, votre rang social, ça ne changera rien. Après presque une décennie, il continue à accrocher une étoile jaune pour nous identifier. Seulement, ils ont changé la cause. Et pour sauver les apparences, ils nous ont cousu des étoiles invisibles. Ils nous ont jetés dans des sites étrangers que nos pères ont creusés avec leurs mains. Et là-bas, il fait tellement sombre. Mais moi, je continue à creuser avec mes ongles. Là où ce vieil homme a enterré ses amis, non amis, ainsi qu'un morceau de sa chair. À l'aide ! Il est chaud de désir. Son âme repoussante ferait fuir des monstres sur terre comme sur mer. Oh ! Courez vers le bateau et plus vite que ça! Sinon, on vous arrachera les cheveux un à un. On vous marquera au fer rouge. On vous coupera la tête. Du sang coulera, beaucoup de sang. Des trophées sanglants à la proue des vaisseaux. Si vous n'obéissez pas à leurs désirs et à la force. Sortez de ce sanctuaire. Montez sur le vaisseau qui vous ramènera chez vous. Vous priez les dieux d'une cité qui n'est pas la vôtre. Tu mourras noyé et sans pouvoir rien faire. Tu seras englouti dans le sanctuaire marin. C'est ça, c'est ça. Hurle, lance des malédictions. Mais quand tu seras sur le vaisseau d'Egyptos, tu ne pourras pas sauter par-dessus bord. Un pas après l'autre. Le monstre noir. Terre. Mer. Repousse le monstre. Il hurle et me fait peur. Arrête de jouer avec ton portable, aide-moi un peu. Oh là, c'est bon, t'aimes jamais rien. Mais Maram... C'est bon, je peux t'aider virtuellement. Voilà. Maram, s'il te plaît, enlève ses encres. Non, je veux pas. Ça fait un les style. L'école, ça va? Ouais, c'est un bon. Un style, les encres, comme ouais. Ça, un style. Ouais. Ou des jeunes avec un style, là. Ouais, nous, les jeunes. Elle est là, Sophia, elle est quelle heure? Je crois, ouais, elle est rentrée, il est 17h40. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça a été ta journée? Fatiguée, mais... Ça va? Comme d'hab, fatiguée, tes journées. C'est bon, j'arrête. C'est drôle. Ça va? Ouais. Pas trop fatiguée? Ouais, pas trop fatiguée, ça va. Oh, t'as ramené des biscuits? Oui.
Oui. Ça fait longtemps, ça, hein? Ça fait longtemps, oui. Très longtemps. C'est régalé, après. Du coup, j'ai un truc à vous annoncer. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je vais être prise en CD pour être secrétaire, assistante sociale. Ah ouais? Tu as réussi ton stage? Oui! Oh Dieu, alhamdoulilah, alhamdoulilah, Sophia, tu me rends fière, que je suis fière. Je suis tellement fière de vous deux. Ah, c'est bien. Oui. Genre là, en plus ton stage il est bientôt. Genre deux jours là. Genre, là tu l'as le jour. Oui, c'est bon, là je suis. Ouais, du coup. Il y a quoi? Arrête, laisse ta sœur souffler un peu. Arrête. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est important. Je suis tellement heureuse. Oui, c'est bien, ça. En fait, il y a une condition. Voilà. Oui, et c'est quoi? Quoi? Tu vas travailler dans une autre ville? Non. Ah non. Faut que je balance quelqu'un s'il n'y a pas les papiers. Quoi? Attends. Tu dois faire quoi? Balancer quelqu'un qui n'a pas les papiers. C'est quoi, là, balancer? Balancer quoi? Ben, si genre il n'a pas les papiers, ben je le dis pour avoir mon... balancer pays. Tu veux dire que tu veux dénoncer quelqu'un? Oui. Et tu vas le faire? Oui. Qui n'a pas de papier? Oui, c'est ça. Mais ta mère n'a pas de papier. Ta sœur n'a pas de papier. Et alors? J'ai quoi pas... et alors? Ben, et alors? Si vous n'êtes pas de papier. Tu peux faire ça normalement, sérieux, tu parles comme ça. Klimé Kane Wello. Je ne peux pas venir ici le dire normal. Mais il n'y a rien, maman. Mais je pour. Qui fait? Maman, Oshbik. Pour le travail, je suis obligée. Mais j'ai pas le choix. Si. On a toujours un choix dans la vie. Non. Pas dans ce cas-là. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligée. Mais donc là, tu veux balancer qui? Arrête, s'il te plaît. Au sommet, là, tu balances qui? Tu penses à qui? Maram. Ben, elle va pas louper une chance comme ça. C'est une chance pour toi, c'est une chance. Ben, elle va travailler assistante sociale, c'est bien. Ben, genre, elle chance. A toujours voulu faire ça. Arrêtez. Et ça, il y aura le triple sur la table. Arrêtez. Là, je suis vraiment choquée. Arrêtez. Mais c'est important. Les clémentines, il y en aura plus. On s'en fiche des clémentines. Mais c'est pas comme ça que je vous ai aidé. Mais je suis obligée pour nous nourrir. Ouais, voilà. C'est bon. T'as sûrement quelque chose. C'est bon. Vous parlez comme ça, comme si c'est quelque chose... Je suis comme... Ben c'est pas tous les jours qu'on a une chance comme ça. C'est pas une chance, ça. C'est pas une chance. Une chance pour nous. C'est pas. Et les autres? C'est quoi pour les autres? C'est une chance pour toi et les autres? Les autres, c'est les autres, hein. C'est pas... Mais tu es les autres. Je suis pas les autres. Ben ah, c'est les autres. Tu es les autres, je suis les autres. Non, t'es pas les autres. Mais tu vas relancer qui? Ben, je sais pas, genre des voisins, il y a pas de. Il y a personne! Si! Il y a que des frères! Oh non, tu penses à la voisine qui nous a gardé quand on était petit, tu penses à elle. Je sais que tu penses à elle. Non! Il y a que des Français dans le bâtiment, t'as dit, on a pas de. Va ouvrir la porte, Sophia, va ouvrir la porte, va! Sauf que tu penses à elle. Je sais que tu penses à elle. Mauvaise, moi. Tu ne dis rien, madame, s'il te plaît. Mais moi, je suis une balance. Hein. S'il te plaît. Faut pas dire ça, moi. Bonjour, vas-y, dis-lui. Chut. S'élève. Assume, elle. Ça va, Jean? Vas-y, dis-lui tout. Ça va? Bonjour, assieds-toi. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Allez, ça va, toi? Ça va. Quoi, ça va, ça se passe, hein. Ouais. Comme d'hab. Tu veux un café? Vas-y, Jimmy, Madame, Nina dort avec. Raconte-toi. Madame. Ah, tiens, oh, il est là, madame. Madame. Eh ben. Ah, tu veux pas dire? Oui, merci. Pourquoi tu veux pas dire? Hey, madame. Madame, t'es toujours. C'est la dernière fois. Ouais. Mais oui, c'est marrant. Goûte le escoutez. C'est bon. Jamais du web populaire. Là, je suis tellement fatiguée. C'est battu. Je crois que c'est les dernières. C'est la dernière fois. Ah ouais, c'est lui, c'est ton frère. Je crois que c'est la dernière. Ah ouais? Là, je suis KO. C'était compliqué, j'imagine. Ben ouais. Très compliqué, comme la situation actuelle. Comme d'hab. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va à part ça? Attends. Oui. Et les autres membres de CH3,
T'es avec toi? Ouais. Ce qu'on peut faire toujours, hein. Allez, Sophia. Allez, dis-lui. Oh, Malin, quand je parle, s'il te plaît. Vas-y, Sophia, vas-y. Dis-lui. Malam, bi'aishik, Malam. Vas-y, Sophia, vas-y. Ben, en fait, genre... En fait, si j'ai un CDI... Allez, vas-y. Je vais avoir un CDI si je dénonce une personne qui n'a pas les papiers. Et une promotion si j'en dénonce deux. Genre, c'est encore mieux. Quoi? Si j'en dénonce deux. Mais elle nous avait même pas dit ça. Mieux. Tu oses utiliser mieux, la chance est mieux. Où je suis comme... Mais vous êtes des folles ou quoi? Ben... Pourquoi tu dis vous, Mais vous, la chance, mieux, c'est quoi ça? Vous vous rendez c'est compte? Mieux, c'est mieux. Mais pourquoi tu nous avais pas dit la deuxième condition? Mais là, je vous le dis maintenant. T'aurais dû nous le dire dès le début. Tiens, jamais tu Elle veut dénoncer une personne pour avoir son CDI, mademoiselle. Non, mais ça, c'est horrible. Et encore, elle était en train de parler de toi. Oui. Ça, c'est... Dis-lui que tu voulais... Avec même tout, toi. Qu'est-ce qu'on nous a avec ce groupe populaire, le CHO3, on nous apprend le vivre ensemble, la solidarité et tout, et partout. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais bon, après, c'est cette génération. Même sans ça, dis-lui. Qu'est-ce qu'on faisait pour elle quand elle était petite? Ouais, on l'a gardée, on faisait... Ouais. Et maintenant, elle veut te dénoncer. Allez! Ben oui, je voulais. Allez! Oui, mais j'ai pas dit que j'allais la dénoncer elle. Je peux dénoncer qui alors? Maram. Quoi? Maram, je peux te dénoncer. Mais ta soeur, t'as pas me dénoncer. Mais c'est pas ma soeur, hein. C'est pas ma soeur. Tout le temps, tu reviens au sujet, là, genre pas ta soeur, je sais pas quoi. Pas ma soeur, mais si. Mais ça, c'est horrible de dire des choses comme ça. Ben, la vérité est horrible. Waouh. Dénoncer ma soeur, dénoncer Maram, c'est quoi? Ses enfants. Elle devient insolente. Même moi, crois-moi, je ne les supporte plus. Même moi, je ne les supporte plus. Ils parlent de ça, c'est comme quelque chose de normal. Mais toi, maman, depuis tout à l'heure, tu parles, mais t'aurais fait quoi? J'arrête de parler comme ça à ta maman. Mais c'est vrai. Un peu, elle écoute là un peu des fois. Moi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu sais, si tu m'avais posé la question, si on m'avait posé la question, ça fait 8 ans, j'aurais pas hésité. Tu avais 4 ans. Qui? Quand je t'ai pris, toi et ta sœur, pour vous sauver tous les deux. Tu es ma fille, tu sais? Oui. Tu sais que je t'aime? Oui. Et tu resteras toujours ma fille. Oui. Tu sais? Oui. Mais parfois, je me pose la question. Est-ce que ton père ne te manque pas? Ça veut dire quoi, ça? Ta famille te manque pas? Mais pourquoi tu parles de ça? Ça veut dire quoi? Parce que je me dis... Est-ce que j'ai bien fait de te prendre avec moi, de t'arracher à tes racines? Est-ce que quoi? J'ai bien fait? Ça veut dire que tu veux... Je veux rien. Je veux que tu saches que je t'aime. Mais oui, mais et pourquoi que tu parles des racines du bled? Moi, je veux pas y aller au bled. Non, je me dis, est-ce que tu as 12 ans? Est-ce que quand tu auras 20 ans, tu ne vas pas me rendre coupable de t'avoir arraché à tes racines? Ben non, moi, je vais rester avec toi. Je vais pas penser à ça plus tard. C'est bon. خلاص ما تقلقوا ان شاء الله حقكم ما نحتاجوش تحتاجي غير الخدمه تحتاجي غير تهضري غير على واحد عبد فريد ما نحتاجوش زوج خلاص نمدوها هي وخلاص اوكي non mais je comprends rien ce que vous dites là. On était sûr? Parce que là, je comprends rien là.
Jamais. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Tu restes toujours ma fille. Ah mais non, non. T'es en train de dire à tes enfants que la famille, c'est important et que c'est moi qui que vous devrez dénoncer. Eh ben, sachez-vous que je veux vous dénoncer. Vous êtes partie de ma famille. Ah mais non, mais je... Non, non. Non, non. Ah mais non! Tu es ma soeur, je t'ai pas appris de me dénoncer, ça y est. Allô? Mais... Restez calme, ils arrivent. La suite, au début de l'automne, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Nous bonne avons tous le droit tous. De vivre dans ce pays.